Hey tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour faire comment mettre un texte sur Pexela Editor transparent. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous dire que je reprends ma chaîne parce que je trouvais que c'était bête, on va dire, d'arrêter ma chaîne alors que j'ai plus de 400 abonnés. Franchement, je trouve ça un peu bête en fait au final. Donc du coup, je reprends ma chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir, que voilà, enfin je sais pas. Continuera à faire des vidéos. Peut-être pas autant qu'avant. Mais je sais pas, vu que c'est bientôt les vacances, je pense que quand même je pourrais faire pas mal de vidéos. Voilà, juste pour vous informer. Donc sinon, mettre un texte en transparent, je vais vous montrer juste de suite. Donc voilà, donc c'est très simple. Bon, j'étais en train de faire ma bannière, si bon, on s'en fout. Je vais vous montrer comment on fait. Vous mettez, je sais pas, je vais mettre un fond pour vous montrer que ce soit, on va dire, ça se voit un peu plus parce que après ça se voit pas beaucoup si vous mettez rien, on va dire. Donc on va mettre, je sais pas, un fond, n'importe lequel, juste pour vous montrer. Je sais pas si dans le noir ça se voit, mais je vais essayer. Voilà. Je vais juste vous l'agrandir pour vous bien vous montrer comment on fait. C'est très simple. J'ai pas vraiment vu de tuto justement pour faire ça. Enfin, j'en ai vu un. Je ne sais pas si qui vous avez caché. Donc en fait, vous mettrez votre écriture ou même un emoji, un smiley, ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous le mettez en blanc pour que ça se voit. Déjà, parce que sinon, je ne sais pas si vous allez voir avec un truc, un fond noir. Bon, je vais mettre mon prénom juste pour vous montrer. Donc en fait, vous avez une rubrique, donc c'est ça. En fait, c'est pour régler. Vous cherchez dans tous. En fait, faut prendre overlay. Et voilà, ça fait transparent par rapport à votre fond ou à votre. Voilà, donc c'est vraiment super simple. Donc après, si vous voulez, genre mettre le cadre que plein de personnes mettent dans pour leur vidéo, sur leur miniature, vous faites comme ça en fait. Que ça soit transparent. Si vous voulez mettre un texte transparent ou je sais pas, vous faites comme ça. Donc j'ai trouvé enfin ce que je voulais justement faire ça. J'ai enfin trouvé comment on faisait, donc je suis contente. Donc je tenais à vous le montrer parce qu'il y a peu de personnes qui le savent à mon avis. Voilà, comme ça pour ceux qui commencent YouTube ou qui connaissaient pas cette technique, vous saurez. Donc voilà, c'est très simple. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.